7h, 10h, tous les vendredis, la dernière ligne droite avec Maud Coffler. La nouvelle est tombée hier et elle n'est pas très réjouissante. Des dérogations seront obligatoires pour circuler dans certaines zones de la capitale lors des Jeux Olympiques de cet été. C'est ce qu'a annoncé le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, dans une interview aux Parisiens. Alors quelles sont les zones concernées et de quoi s'agit-il concrètement? Le préfet parle de périmètres de restrictions de circulation établis autour des zones de compétition. Ça vous rappelle peut-être quelque chose. Par restriction, entendez bien ici interdiction si vous ne disposez pas de la fameuse dérogation. Parmi les sites de restriction éphémère, on note notamment la Concorde, les Invalides ou encore le Trocadéro. Pour Paris Centre, elle pourrait être effective de 6h30 à minuit. Des voies réservées comme le périphérique et certains grands boulevards seront aussi mises en place sur des horaires à définir. Alors pour nous aider, il y aura donc des zones rouges et des zones bleues. Dans les zones rouges, les dérogations concerneront les riverains qui ont des parkings, ceux qui visitent des personnes vulnérables et les véhicules d'urgence et de secours, de dépannage, etc. Pour le périmètre bleu, les personnes devront être en mesure de justifier la raison de leur déplacement. Comment obtenir le précieux sésame, vous demandez-vous? Eh bien, c'est encore assez flou selon les informations disponibles. La liste de catégories de personnes qui pourraient prétendre aux dérogations doit encore être validée d'ici mi-janvier. Il faudra s'enregistrer sur une plateforme en ligne et fournir bien sûr des justificatifs pour espérer circuler librement. Ces nouveaux QR codes nous rappellent d'assez mauvais souvenirs, il faut le dire. Pourquoi prendre des mesures aussi radicales? L'État veut-il seulement assurer notre sécurité ou est-il encore dans une démarche de surveillance individuelle? Pour rester poli, 7h du Big Brother, nous en parlons ce matin avec Béatrice Rosen. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes actrice et ancienne chroniqueuse chez TPMP, l'émission de Cyril Hanouna, et vous êtes aujourd'hui lanceuse d'alerte. Merci d'être avec nous. Béatrice Rosen, vous aviez dit chez André Bercoff au moment de la crise sanitaire que vous étiez pour les mesures qui ont un sens. Nous venons de parler de ces nouvelles mesures restrictives liées à la circulation pendant les Jeux Olympiques de 2024. Est-ce que ça a du sens ? Alors, pour moi, ça n'en a pas, autant sur la forme que sur le fond, parce qu'il faut quand même revenir sur la forme. Le préfet de police n'a pas consulté le Parlement, n'a pas consulté donc ni l'Assemblée nationale ni le Sénat. Il a annoncé ça, il a court-circuité la démocratie en annonçant ça à la presse. C'était dans le Parisien, il y a eu un petit encart BFM hier à 5h du matin. Ils essayaient peut-être de passer ça discrètement. Voilà, donc déjà sur la forme, ça pose problème. Au Sénat, il y a des sénateurs qui se sont levés, qui ont fait un rappel au règlement, justement pour rappeler au gouvernement que les chambres existent et sont là pour représenter le peuple. Donc voilà, donc ça c'est pour la forme. Hier après-midi, donc il a fait une conférence de presse où effectivement les contours sont un petit peu flous et les gens disent oui mais c'est juste dans certaines zones, sauf que c'est en plein Paris. Les zones de compétition, comme ça va être en plein Paris, il y a des gens qui habitent, il y a des gens qui travaillent. C'est à tellement de niveaux, ça ne va pas. C'est discriminatoire. Que vont faire les artisans, les plombiers, les gens qui doivent se rendre dans ces zones-là et qui n'auront pas le QR code, les femmes de ménage, les nounous, etc. Enfin, à tous les niveaux, il y a un vrai problème avec ce système. Et vraiment, sur le fond, il faut que ces gens comprennent que nos libertés fondamentales, comme celle de circuler, ne sont pas la variable d'ajustement ou de leurs échecs, qu'ils soient sécuritaires ou autres, ou de leurs caprices. Ils ont décidé de faire un événement en plein Paris et tout d'un coup, le monde doit s'arrêter, nos libertés doivent s'arrêter. Non, ça va pas. Alors, on nous explique justement que c'est un dispositif renforcé lié à la sécurité. Est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne raison de serrer les vis, surtout au regard de l'actualité de la menace terroriste, ou bien qu'il s'agit toujours plus d'une mesure contraignante pour le quotidien des Français, et en l'occurrence, là, les Parisiens? Bien sûr qu'il faut assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Mais ce que je remarque au fil du temps, c'est que les crises se succèdent, que ce soit la crise sanitaire, il y a eu la crise... Enfin, toutes les crises se succèdent, sécuritaires maintenant, et les réponses apportées sont toujours les mêmes. Toujours moins de liberté, toujours plus de restrictions, et toujours ce fameux QR code qui est toujours censé être juste dans certaines zones, juste temporaire. Sauf que finalement, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'ils n'ont pas complètement enlevé
les structures numériques qui soutenaient les QR codes du pass sanitaire et ensuite du pass vaccinal, ils les gardent en veille et on voit bien qu'à chaque pour un oui ou pour un non, en fait, ça va être réactivé et peut-être qu'au départ, ça va être dans certaines zones, mais à terme, si ça se passe bien et si les gens acceptent comme ils ont accepté les pass sanitaires et vaccinaux, pourquoi pas l'étendre à tout Paris, par exemple, pourquoi pas, où va-t-on avec ces mesures ? Ou à toute la France. Ou à toute la France. Et on voit, moi, ce que je vois dans tout ça, c'est une dynamique. Ce n'est pas ponctuellement juste pour les Jeux Olympiques, c'est le pass sanitaire. Ensuite, voilà, maintenant, les QR codes pour circuler librement pendant les Jeux Olympiques, les lois sur le DSA, les lois SREN, etc. Toutes ces lois vont dans le même sens, qui est la restriction des libertés, la restriction des mouvements, la restriction du secret médical, la restriction de la liberté d'expression, etc., etc. Donc ça, c'est inquiétant, en fait. C'est cette dynamique. Pourquoi cette obsession, selon vous, de vouloir restreindre les libertés ? Je pense que c'est une... Alors, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, il faut se poser la question de quel sera le budget financièrement. Ça coûte de l'argent de mettre en place ces systèmes-là. Quel sera le budget de cette mesure ? À qui va profiter de cette mesure finalement ? Quelle est l'entreprise qui va se charger de faire ses QR codes ? Qui va avoir le marché ? Comment il va être attribué ? Qui a pris cette décision ? Ça pose des questions. Ça pose la question des data. Parce que évidemment, qui dit QR code dit données personnelles, data. Qui va récupérer ces data ? Qui va les gérer ? Vont-elles être vendues ou pas ? Enfin, tout ça, ça pose un problème. C'est évidemment un marché financier. Ensuite, je pense que c'est une opportunité pour renforcer le contrôle numérique sur la population. C'est toujours il y a toujours une tentation des États, du pouvoir, de contrôler les populations. Et les outils numériques, on le voit avec des pays comme la Chine, sont du pain béni pour des États qui ont envie de contrôler leur population. Alors, ces dernières semaines, on parlait justement d'un autre moyen de contrôle, le Vidéosynopsis, je crois, cette plateforme de vidéosurveillance algorithmique qui permettrait la reconnaissance faciale. La police nationale est accusée d'utiliser illégalement depuis 8 ans ces caméras augmentées dans plus d'une centaine de villes françaises. Au-delà de l'aspect très intrusif, ce déploiement révélerait l'installation d'une surveillance de masse de la population par les autorités. Faut-il s'en inquiéter ? Absolument, je vous dis, c'est une dynamique. Donc, il y a la reconnaissance faciale, il y a les drones, il y a... Monsieur Darmanin avait proposé qu'on puisse rentrer dans les messageries de téléphone type WhatsApp, Telegram, etc. Alors, il y a toujours un bon prétexte, il y a toujours une bonne raison, c'est toujours pour notre bien à la base. Mais on a vu que les lois qui étaient à la base antiterroristes ou à la base pour notre bien, pour notre sécurité ou pour notre santé, sont parfois détournées à d'autres fins. On a bien vu que l'interdiction des casseroles et des cartons rouges et des sifflets lors des protestations potentielles contre le président et le gouvernement, là, pour ça, pour ces interdictions-là, les lois antiterroristes ont été détournées. Donc, il y a toujours une tentation, il y a toujours une bonne raison à la base de créer ces lois. Et ensuite, une fois qu'elles sont installées, qu'elles sont votées, qu'elles sont appliquées, il y a une tentation de les détourner de leur fin. Donc oui, c'est extrêmement inquiétant. Encore une fois, nos libertés fondamentales ne sont pas la variable d'ajustement d'un gouvernement qui, par ailleurs, on le voit dans l'actualité, comme vous en avez parlé, les échecs sur la sécurité et sur l'instabilité dans le pays. Voilà, justement, Béatrice Rosen, au regard du climat sécuritaire, pour ne pas dire insécuritaire, face à la montée de la violence gratuite, des agressions, des vols, des viols, mais aussi des meurtres et des actes de terrorisme, on pense au jeune Thomas poignardé à Crépol il y a bientôt 2 semaines, l'utilisation d'un logiciel de reconnaissance faciale ne serait-il pas justement le bienvenu pour endiguer ces phénomènes et protéger la population ? Et sinon, quels seraient les autres moyens ? Je pense que la reconnaissance faciale, c'est en aval. Si vous voulez, je pense qu'il faut commencer à lutter contre l'insécurité en amont. Il faut arrêter de traiter les symptômes et pas les causes. La reconnaissance faciale, c'est pour
retrouver un délinquant, par exemple, une fois qu'il a commis un acte délictueux, ou pour surveiller quelqu'un qui a été relâché. Mais pourquoi relâcher quelqu'un de dangereux dans ces cas-là? Pourquoi ne pas travailler en amont, et pourquoi ne pas d'abord travailler sur la justice? On voit bien qu'il y a tellement de délinquants récidivistes, que les gens sont souvent connus des services de police, etc. Donc il y a un problème surtout dans la chaîne sur la chaîne pénale, sur le côté judiciaire. Pourquoi toujours plus une fuite en avant dans la technologie, qui ne va rien régler? La technologie, c'est pas, elle va jamais remplacer une volonté politique. Donc non, la seule chose que ça va faire, c'est mettre en prison des citoyens, finalement une espèce de prison virtuelle, des citoyens honnêtes qui n'ont rien fait, plutôt que d'enfermer. On n'a pas créé les places de prison que Monsieur Macron avait promis. Enfin, il y a plein de mesures à prendre avant de cette fuite en avant dans la technologie. Comment expliquez-vous que les Français s'habituent à cette prison numérique, comme vous dites ? Je ne sais pas s'ils s'habituent ou ils sont résignés, en fait. On leur demande pas leur avis. Vous voyez bien que là, les parlements ont été court-circuités. Mmh. On leur demande pas leur avis. On leur impose toujours plus de restrictions. Je pense que les gens n'en peuvent plus. Voit bien que c'est inefficace, parce que plus la technologie avance, on voit bien que la société n'est pas moins dangereuse. Là, on le voit bien. Non, oui. Donc, alors qu'on a beaucoup plus de technologie qu'il y a 20 ans, et pourtant la société n'est pas moins violente. Donc on voit que ça ne marche pas, mais je pense que les gens sont résignés, en fait, entre l'inflation, tous les problèmes de la société. Je pense que c'est pas qu'ils acceptent, c'est qu'ils se résignent, ils se soumettent, et c'est pas du tout la même chose. Et c'est dramatique, c'est dramatique. Merci Béatrice Rosen. Je rappelle que vous êtes lanceuse d'alerte, actrice auparavant, chroniqueuse sur TPMP. Vous serez à Paris pendant les Jeux Olympiques ? Je ne sais pas encore, mais j'espère vraiment que ces mesures et que ces QR codes ne vont pas être mis en place. Voilà. Et j'espère que les gens vont se mobiliser, puisque Laurent Nunez a annoncé qu'il y aurait une concertation avec les élus et des acteurs de terrain. Vraiment, j'encourage les gens à se mobiliser et à aller dire à leurs élus qu'ils ne sont pas d'accord avec ces systèmes-là. Merci beaucoup Béatrice Rosen, à bientôt.